En route, Phobos. Ce doit être la ferme où Praxitea est prisonnière. Cet endroit sera en alerte. Merci de m'avoir libéré. Je me souviens aussi, mon enfant. Nous devons partir maintenant. D'autres brigands pourraient venir, non? Je t'en prie, partons d'ici. Merci de m'avoir sauvé, mon enfant. Ne me remercie pas, voix d'Apollon. Mais peut-être répétais-tu les mots de quelqu'un d'autre? Ah, tu as rencontré mon petit-fils. C'est vrai, j'ai menti à tous, et je le regrette. Les dieux auraient déjà dû me tuer, mais ils ont préféré m'étouffer de remords. Qui t'a fait enlever? Ces brutes-là n'en ont pas eu l'idée tout seuls. Ne me demande pas ça. Ceux qui veulent aujourd'hui me punir et qui me soufflaient autrefois ce que je devais dire,
Ils t'enterreraient vivant si je te parlais d'eux. Ceux qui portent des masques et de sombres capes? Le culte de Cosmos? Ne prononce pas ce nom. Pourquoi avoir menti de la sorte? Les gens te faisaient confiance. Tu étais censé délivrer les paroles d'Apollon. Je ne le voulais pas. Pas quand j'ai été choisi pour être l'oracle d'Apollon. Mais là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je devais répéter leurs paroles. Sinon, ma famille aurait à en souffrir. Ta famille? Est-ce que tu te rappelles avoir dit à une famille de Spartiates que son plus jeune enfant devait mourir? D'avoir brisé le cœur d'une mère éplorée? Qui avait mes yeux? Je pleure avec toi tout ce que tu as perdu. Elle t'a parlé? C'est bien elle qui a apporté le malheur à ta famille? Je regrette ce que j'ai fait. J'accepte mon châtiment. Mais je t'en prie, ne laisse pas mon petit-fils me tuer. Lycaon est un homme bon, un guérisseur, ça le briserait. Non, c'est ma responsabilité. C'est à moi de la tuer. J'ai tué assez de gens pour savoir que la violence ne mène à rien. Mieux vaut aller de l'avant, et vivre le mieux possible la vie que nous accordent les dieux. Aller de l'avant? Mais Praxitéa a fait tant de mal à ta famille! Elle ne peut plus en faire. La tuer par vengeance ne changera rien au passé. Et n'est-ce pas toi qui parlais des bienfaits de l'espoir? Merci de ta clémence. Je te promets de faire le bien pendant le temps qu'il me reste. Tu as raison, Alexios. Je ne pourrais peut-être pas pardonner à ma grand-mère. Pas tout de suite. Mais elle peut poursuivre sa vie, et moi la mienne. C'est la bonne décision, Lycaon, crois-moi. Comment t'y prends-tu? Pour décider qui doit vivre ou qui doit mourir? Et toi, comment fais-tu, Lycaon? Toutes ces vies qui dépendent de toi, de tes soins et de ta bonté. Je crois que j'ai besoin de toi, Alexios. Pas pour tuer, ni pour trouver quelque chose, mais... reste avec moi. Je ne suis pas médecin, mais je sais que tu as enduré beaucoup, Lycaon. Tu n'as pas besoin d'un Mystios dans ta vie. Rentre chez toi et mène ta vie de guérisseur.